Qu'est-ce qui se passe? Ta femme m'appelle en pleurant, il y a quoi? Mais moi, je suis vous m'appelez ici. C'est-à-dire le chien à quoi vous m'appelez? Le chat se présente devant vos portes. Vous m'appelez, il y a quoi? Donc vous avez expliqué les problèmes de lumière et le problème d'eau. Depuis deux jours, nous, oui, on n'a pas d'eau ici. Des trucs qui partent disparaissent à coups de tête. Puis c'est nous. Et payer 5 litres d'eau à 300. Regarde-moi un fumus, un petit pion. Tu veux commander qui? Tu veux quoi? C'est pas chez toi? Tu me payes? Tu payes ma maison? Ou Mingyei? Tu veux sortir l'âme chez moi? Gang. Tu sors l'âme chez moi? Qui a l'âme? Moi, je veux l'âme. Nefo! Nefo! Gang! Hey. Ce que vous faites là, ça va vous dépasser. Ne fais pas ce que tu fais là. Ça va vous dépasser. Je vais te tuer! Moi, je te tue! Bien que vous ayez te tue! Viens! Un petit fumus! Viens! Micro test, on teste le micro. Maman, y'a mami au Tawatao, y'a mami au Vignamao, y'a mami au Yopako, Massa Yomio, Mayuba yo yam bébéo, et Yuba yo yam chérima, Yuba lang la figuinta, Yuba lang la figuinta. C'est bon, on y va. Finger entre là. En lettre majuscule, minuscule. Vous déchargez. C'est le cargo. Décharge quoi? Tu es qui? Est-ce que vous pouvez décharger? J'ai fait des trêves le cargo que décharge. Tu es qui? Monsieur le justice, je parle au nom du cabinet Takunga Oya. Oui. Et alors, la carte professionnelle, elle est où? Pas avoir votre carte professionnelle. Je parle de vidéo. Mais toi! Je veux prendre connaissance. Je ne vais pas décharger sans lui. Parce qu'il y a des endroits où on met les notes bien. Parfois, je ne le vois pas. Je veux prendre la peine de lui. Donc, tu n'as pas l'argent pour la maison. Tu vas prendre un avocat. Écoute, je ne parle plus avec lui. Oui. Tu ne touches aucun hiver. Oui. Okay. Là, maintenant, la sommation est faite. Okay. Tout le monde derrière, c'est bien. Ne lui réponds plus. Quand il parle avec lui, bouf. Il ne faut pas aller des petits rats. Oui. Défaut. Oui. Appelle le vieux. Allô, Mboko. Allô, Mboko. Le vieux. Alors, tu peux lire un peu. Quand vous êtes à l'église, tous les versets bibliques vous aident ou pas? Un petit papier comme ça là, tu ne parviens pas. Et c'est toi qui fais la chorale. Tu étudies dans la Bible comment? Tu as su tout ce qu'il y a dans la Bible comment? Quand les malheurs ont frappé à la porte, on devient enfant de Dieu. De quoi? Sommation du ciel. Comment sommeil? Constat. Hein? Bon, je ne vais pas lire parce que ce genre-là écrit comme si, même dans leur écriture, on sent qu'il y a des problèmes. Hein. C'est-à-dire que sa façon d'écrire est instable. C'est bien dosé, hein, qui est venu avec lui. C'est bien dosé. Sommation et constat du ciel. Hey. Hein? Coffre fort. Et voilà 9 millions. Coffre fort? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec le coffre fort? Les matelas. Est-ce que tu sais avec les matelas? Tu as enlevé. Défaut, j'ai sorti les trucs ici. Toi, il y avait le matelas. Voilà des choses. Dieu que je n'ai pas touché. Je vois là. 17 avioles d'œuf. Quand il citait sûr que le type s'est ajouté sa paille, ça c'est ce que lui-même parlait. Il n'avait pas l'œuf. Même les cafétariens n'ont pas.
Yeah, bien osé. Je savais que le gars n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je vois un truc. Brutalisation. Vous l'avez brutalisé aussi apparemment. Comment apparemment défoncé? C'est pas moi, je suis venu, c'est pas à cause de toi. Je l'ai brutalisé. À quel moment? Monsieur, signé Monsieur Fingon, c'est ça là. C'est votre nom? Non. Tu vis chez moi, tu veux. Je connais le nom, mais on est dans un moment tout le monde est traumatisé, non, père. Toi-même, tu peux ça avec une période terrible comme ça. Après, bien joué. Hein? Bon, on n'est pas là. Non. Quand c'est comme ça, le conseil que je vais vous donner, le Kipsi, donc vous êtes dit qu'il est là. Il peut débarquer ici, on ne sait pas qui. Il peut descendre. À cet âge-ci, père, prête-moi même l'argent de sort d'ici. J'ai les problèmes, me convoque au tribunal. Tu me devais te prêter l'argent. Appelle-le. Appelle-le. Et dans des paresses, sinon ça s'appelle comme témoin. Ne parle pas. Non, hey. Tu n'as même pas de carte. Mon nom n'est pas là. Mon. Hein? Un arrangement ennemi. Ça, c'est les gens qui sont en même temps dans la rue, en même temps avec la justice. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai vu dans les yeux de ce son avocat là. Tais-toi, tais-toi, parce que tout ça, c'est à cause de toi. C'est ta femme qui m'a appelé. Allô? Bien José, papa. Bien José, oh. Pardon, viens vivre chez toi, papa, viens. Ouais, papa, non, ne raccroche pas, bien José, regarde, regarde. C'est le voisin, c'est une défaut, lui va sortir. C'est lui qui m'a, c'est sa femme qui m'a appelé. Je sais qu'on n'a pas de contrat de bail. Je sais. Ouais, non, bien José, regarde pas, regarde, regarde. Fais un an alors chez moi, fais un an. Hein? Comment te fais un dépôt? Momo, ouais, je te fais un dépôt, Momo. Je vais remettre la clim, je vais te mettre la clim. Hein? Regarde, il n'y a pas un problème qui ne s'arrange pas. Viens doser, regarde. Non, écoute-moi d'abord, regarde, regarde. Tu sais qu'on a toujours vécu dans la paix. Non, regarde, je n'ai pas mis dehors, regarde, papa. C'est pas que tu ne mets pas la caméra. Je suis en train de remettre les choses. Hein? Ok, je mets alors tes choses dedans, je viens alors. Je mets tes choses, je viens, papa. Oui, oui, s'il te plaît. Julio le pétrolier, Wamin Jimilin Kanak. Il s'appelle comment? Fingon Tralala. Monsieur, vous êtes prétentieux, hein? Donc vous venez demander une aide et vous avez le cigare à la bouche. Retirez le chapeau. Retirez le chapeau, de quoi faites-vous? Décoiffez-vous! C'est mon locataire. Mais monsieur Sodo, vous savez ce que vous venez de faire là derrière? Là. Vous savez ce que vous avez fait chez vous là? Monsieur, vous êtes un prisonnier ambulant. Quel qu'en soit le préjudice qu'un locataire peut vous causer, vous n'avez aucun droit de vous substituer à la place de la justice. Donc, vous faites le travail de ceux qui sont allés à l'école pour le faire. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi? Ce que je... Vous ne... écoutez, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Vous oui. Vous permettez d'entrer chez un locataire. C'est que... On est d'abord la famille, bien dosé. Dis-le. Quelle famille? Je suis ta famille. Vous êtes un prisonnier. Hein? Je vous regarde comme ça, vous êtes un prisonnier. Papa, je suis venu ici là pour qu'on trouve la paix. Quelle paix? La paix est toujours meilleure. Il mieux vaut un... mauvais arrangement qu'un bon procès. Écoutez-moi très bien, écoutez. Écoutez-moi très bien, monsieur. Moi, je lui ai dit, quand je m'engageais sur ce dossier, quand le cabinet est déjà engagé, les frais sont payés dans le tribunal, je ne m'arrête plus. Quand le processus est lancé, c'est lancé. Vous allez dire quoi? Bon, si je décide de tout arrêter là, vous dites quoi au procureur? Le greffier? Est-ce que c'est l'affaire des greffes ou des perruques, papa? Ce n'est pas ça. Je sais, c'est la famille d'abord. Il a toujours vécu chez moi. Quelle famille? C'est pas... Vous répétez famille, quelle famille? Bien, c'est l'autre locataire là, en défaut. C'est lui qui m'a induit en erreur. Monsieur, je dis, vous avez des contrats de bail. Est-ce qu'avec vos locataires, vous avez des contrats de bail? On s'entend. Vous avez un permis de bâtir? On s'entend seulement. Vous êtes un prisonnier. Parce que là, vous vous attaquez même à l'intérêt de l'État. Vous ne payez pas les impôts. Mais vous louez quand même des maisons. Je ne me paye que le main à main. Voilà. Vous vous permettez de le faire. Sans penser à l'intérêt. Vous croyez qu'on développe le pays avec quoi? Vous ne savez pas que ce sont les impôts qu'on collecte pour
transformer pour se prendre des manques de route. Papa, je ne suis pas la seule personne qui a un locataire qui ne paye pas les impôts, qui n'a fait pas les contrats. Et tu parles à haute voix. Non. Donc je parle, tu lèves le ton. Mais quand j'ai d'abord vu ce monsieur avec tout le soleil qui est dehors, porté sur sa gandoura là, j'ai compris que c'est un monsieur pas du tout bien. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais moi, pour que je parle avec lui, première des choses, il doit ouvrir son dossier chez moi. Et c'est 50 000, les frais d'ouverture du dossier. Le dossier pour faire quoi? Pour payer tout ce qu'on a dépensé, pour compenser tout ce qu'on a dépensé. Non, je vais rembourser. Il te donne 2 ans de loyer gratuit. Ok, merci. 2 ans de loyer gratuit, j'ai précisé. Et moi-même, tu as les chambres, non? Tu as seulement les chambres. Il a les chambres. Il me donne une chambre. 1 an. Impayé. Maître, papa, tu n'as pas construit. Ça t'engage à quoi? C'est ton problème. Tu veux seulement retrouver la paix ou bien tu veux la guerre? Maître, si tu veux la guerre? Si ne veux pas, on part, pardon. Ah, il veut la guerre. Non, ça va. Quoi? Ça va. Maître, bon, viens. On va installer la lampoule. Il n'y a pas lampoule dans le. Bien dosé. La machine, le studio qui est au fond là. Oui, on va mettre la lumière là-bas parce qu'il y avait un problème de lumière là-bas. Il y a le climatiseur. Bon, c'est vrai que la lumière est un peu faible, mais non, tu as les ventilateurs. Vous payez la lumière même. Je récapitule. Première des choses, mon client que voici doit vivre là-bas pendant 2 années. Oh. Dans son studio, sans payer. On annule tout ça et il fait 2 ans sans payer. Bien dosé, sois quand même conscient, papa. Ce n'est plus à mon niveau, pardon. Mais je crois que. Mais on paie le table, monsieur. Si. Ça va, c'est bon, regarde, maître, pardon, c'est bon. Il nous a même pas offert à boire, c'est nous qui payons. Et... Maître, je veux payer. C'est bon, maître. Donc, 2 ans. Oui, 2 ans. Le câble, ça vous engage. L'électricité vous engage. Mais bien dosé, pardon. Oui. Maintenant, à mon niveau, vous avez d'abord les frais d'ouverture du dossier de 50 000 francs CFA. Indiscutable. Après ça, vous avez aussi les chambres là-bas où il y a encore un studio disponible. Mmh. Pour faire quoi? Pour moi-même. 1 an. Il y a une chambre là. Bon, depuis, la personne n'est pas là. La personne n'est pas là. Hein? Oui. Ok, tu m'aménages ça. 1 an. C'est un chauffeur grumier. Il est souvent parti depuis, il peut revenir. Donc je sais quand est-ce qu'il. Est-ce que je peux avoir une chambre ou un studio pour moi 1 an? Tu n'as pas construit, maître. Vous n'avez pas construit. Parce que il me tutoie. Hein? Il va avec les tuiles et vous. Ça va. Vous intégrez. C'est ton problème. Tu intègres quand? Que j'ai conçu ou pas, ça vous concerne? Bon, c'est toi-même qui as intégré, non? Ça ne vous concerne pas, vous mettez à ma disposition. Ok, maître. Bon, après ça, il faut savoir que désormais, d'abord, on vous a climatisé, non? Non, il n'y a pas la clim, mais j'ai que les ventilateurs, parce que le courant est un peu faible, mais. Dès qu'on va nous mettre un transformateur, ça va aller. Voilà. Après ça, désormais, quand je serai installé dans la cité, on va réorganiser les choses. Parce que ce que vous faites là, monsieur, vous êtes un prisonnier ambulant. Imaginez seulement que je prenne sur moi de vous traîner en justice et de dire que vous faites ce qu'on appelle, parce que vous faites là, c'est la filoterie de loyer. Et l'action que vous avez posée avec lui, c'est ce qu'on appelle entrave juridique. Que c'est ce qu'on appelle entrave juridique. Tout ça, c'est une faux. Tout ça, c'est sa femme qui m'a appelé. Ouais, il va sortir. Il va sortir. Tout ça, c'est une faux. Bon. Il m'a menti que le bien dosé à l'âme. Il m'a menti qu'il avait l'âme. Est-ce que je peux mettre ça? On est d'accord au moins sur le principe. Est-ce que. Bon, je présume que je n'ai plus. Oui, maître, oui. On a plus de 2 bières. Essaye de régler ça. Tu dis que nous sommes une dernière. Tu vas comprendre. Mais j'ai soif. Nous sommes une dernière. Tu dors quoi? Le type est de retour. Dosé, bien dosé, est de retour. Mais c'est là que quand je dors, tu me laisses dormir, non? Et comme si son truc, il fume que le feu maintenant. Oui, il a abandonné ses ailes. Maintenant, c'est le feu. Je l'ai vu dans la rue sans caleçon. Et il marchait comme ça.
Donc, si tu entends que le boucan s'y a pris feu, ne me demande rien. Si toi là, je ne reconnais pas. Si toi là, n'ouvre pas. Donc, désormais, quand quelqu'un dit ton con con con, rassure-toi que ce n'est pas lui. Tu peux ouvrir là, tu perds ton œil. Ou tu perds même ta vie. Moi, je prends la chambre. Ok, je suis. Hey yo, tu m'as reconnu sur le Institut de Monumento. Si je suis là, c'est pour te parler de ceci. Et oui, Adi Groupage et Service est votre partenaire sûr et fiable dans le groupage. Import-export, fret international, commerce général, transport des colis, transport des véhicules, vente et location de conteneurs. Chez Adi Groupage, nous mettons à votre disposition deux départs de conteneurs par mois, Paris-Douala et Yaoundé. Faites confiance à Adi Groupage pour le transport et l'acheminement de vos colis à des prix exceptionnels. La rapidité et la fiabilité sont nos maîtres mots. À Paris. Alors sache que désormais, tu peux prendre un colis envoyé au Cameroun sans tout être agacé. Oui, une seule adresse. Il n'y a pas mieux. Dans le Tillet 95, Adi Group. Oui, Adi Group, c'est cette entreprise-là, en effet, qui est venue sur Paris faciliter la transaction de vos colis, conteneurs, véhicules et autres. Faites confiance à Adi Group. Avec Adi Group, c'est l'assurance. Avec Adi Group, on dort tranquille. Avec Adi Group, stop aux tracasseries. Voilà pourquoi je vous le conseille. Je vous le conseille. Adi Group, toi et moi, pour la vie. Chez Adi Groupage et Service, vous serez toujours satisfait. Yeah, visual, oh.